Bonjour à tous, on est à La Rochelle pour rencontrer Florian. Florian a 24 ans et il a profité du programme départ 18-25 de l'ANCV et il va nous expliquer ce qu'il a prévu justement pendant ces quelques jours de vacances. Suivez-moi, on va le rejoindre. Salut Florian, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Tu fais quoi dans la vie? Tu nous viens d'où exactement? J'ai 24 ans, je suis originaire du bassin d'Arcachon et actuellement je suis en Master 2 de biodiversité et suivis environnementaux sur Bordeaux. Là tu es en vacances grâce au départ 18-25, comment tu as connu ce programme-là? J'en avais entendu parler il y a genre 3 ans sur les réseaux sociaux, sur Facebook, mais à cette époque-là, j'avais pas les prérequis pour pouvoir bénéficier de cette offre. Et là cette année justement je suis en alternance, donc en apprentissage. Et les apprentis peuvent bénéficier de ce programme et j'ai fait la demande dès que je l'ai su. Du coup, c'est quoi les avantages exactement pour toi? Le premier point, c'est le prix. Je devais payer 311 euros environ à peu près et là, je paye 60 euros, donc c'est quand même pas mal pour 4 nuits. Et il y a aussi la qualité des logements. Hein. Franchement, je me retrouve dans un Pierre et Vacances avec piscine chauffée intérieure, donc quand même pas mal. Et puis le lieu est plutôt agréable aussi. Là, tu profites du programme départ 18-25. Est-ce que concrètement, il t'a permis d'organiser des activités pendant ces vacances-là? Au départ, j'avais deux choix de vacances pour 18-25. C'était soit la Camargue, soit La Rochelle. J'ai réservé à La Rochelle et donc pendant ces vacances, ça sera surtout de l'observation d'oiseaux. Je suis un peu fan de ça. Ça fait déjà à peu près 3 ans. Que régulièrement je fais des sorties pour les observer. T'es prêt? On y va? On va partir à l'île de Ré, c'est ça? On y va en voiture? Ouais, on va tout au bout de l'île de Ré, donc ça va être vraiment, on va avoir vue sur l'océan, ça va être plutôt pas mal. Et voilà, 1 heure de route. Bah c'est parti, tu m'as convaincu, on y va, c'est parti. Florian, est-ce que tu peux m'expliquer où on est exactement? Alors là, on est sur la réserve naturelle nationale de l'îlot des Niches, qui est gérée par la Ligue pour la protection des oiseaux. C'est un site qui est géré, qui préserve bien la biodiversité et qui accueille pas mal d'oiseaux. Donc là, on va faire de belles observations, je pense. Donc là, tu as sorti ton équipement. C'est quoi? T'as quoi? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Alors, donc, l'élément essentiel, les jumelles, l'appareil photo, au cas où il y ait de belles espèces ou des beaux vols, et la longue vue, qui permet de voir les oiseaux les plus éloignés. Les oreilles sont aussi importantes que les yeux dans ce que tu fais? Oui, clairement. Je suis souvent alerté directement par un cri en particulier, puis ensuite je cherche et je trouve l'oiseau par la suite. Ouais. Parfait, je vais te laisser.